L'Ordre des architectes a réitéré à Marrakech sa forte détermination à apporter son soutien et son expertise pour la réhabilitation et la reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre dernier. Cet engagement a été renouvelé par le président du Conseil national de l'Ordre des architectes lors de la 38e Journée nationale de l'architecte tenue à Marrakech. Tout en mettant en avant l'importance de la construction parasismique pour sauver des vies en cas de catastrophe naturelle, le président du conseil a relevé que les techniques traditionnelles de construction utilisées dans les zones sinistrées ont fait leur preuve de durabilité et de résilience dans le temps. Cette journée a été également l'occasion de discuter des difficultés auxquelles fait face l'architecte et des défis à relever dans l'exercice de sa profession et d'examiner les enjeux futurs afin de contribuer au développement de la recherche scientifique dans le domaine de la reconstruction et de l'architecture. Cette journée nationale de l'architecte, placée sous le thème « Les architectes dans l'urgence, perspective intégrée pour une reconstruction durable », s'inscrit dans le contexte du grand chantier de reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre dernier.